Salut tout le monde, c'est Koenski et on se retrouve dans Frostpunk 2, c'est la guerre civile, c'est le thème de ce nouveau chapitre dans le jeu. On va essayer de s'en tirer, j'ai choisi la voie la plus difficile, la voie de la paix, on va essayer de réconcilier tout ce beau monde, hein. On va faire son possible. Allez, ça va aller. Utiliser l'action communautaire, négocier un traité de paix sur les évolutionnistes, sur les gardes-foi. Optionnel, utiliser la capacité de district cordon de sécurité dans tous les districts en guerre. Donc les districts en guerre, il y en a 4. Ah, c'est ceux-là, hein. Ils sont en train de se battre, je sais pas si on peut les regarder. Jeter un petit coup d'œil. Bon, là, ça se voit pas forcément très bien sur le zoom. Mais quand on dézoome un peu, par contre, on voit qu'il y a des masses de gens. Ça chauffe. Donc je pense qu'on devrait essayer de faire ça parce que l'action négocier un traité de paix va sûrement être compliquée et longue à mettre en œuvre. Proposer des mesures de paix au conseil également, 0 sur 1. Ça, je pense qu'il faut le faire après. Donc on va commencer peut-être par essayer de voir pour les cordons de sécurité. Ou alors d'abord on va utiliser l'action communautaire juste pour voir comment ça marche. On va faire ça. On va commencer par les évolutionnistes qui sont ceux qui nous aiment le moins. Gouverneur, les évolutionnistes affirment avoir été poussés à la violence pour défendre leur place dans la ville. Ils vous accusent d'en avoir fait un endroit pour les garde-foi et pour les garde-foi uniquement. Avant d'envisager une paix durable, ils demandent des preuves de votre bonne volonté et exigent que vous intégriez certaines de leurs idées au fonctionnement de la ville. À laquelle de leurs préoccupations souhaitez-vous répondre ? Après avoir choisi un sujet, on sera invité à promettre deux changements concrets. Avancer vers une ville dans laquelle rien n'est jeté et tout est recyclé. Pourquoi pas ? Avancer vers une ville dans laquelle le succès personnel est récompensé et les improductifs rejetés. Bof. Innovation médicale. Alors pourquoi pas ? Parce qu'on a des problèmes de maladie dans la ville. Justement, je voulais faire un hôpital, je vous avais dit. Donc peut-être avancer dans une branche de recherche peut être pas mal. Il y a l'hôpital d'enseignement, ce qui pourrait être bien, mais on en a déjà un hôpital. Le traitement expérimental, on n'a pas encore de traitement, je pense, ça pourrait être bien de choisir ça. Si, on a déjà un traitement et j'avais pas pris celui-là, justement. Ok. Et laboratoire d'expérimentation pharmaceutique, ça c'est les labos qu'on n'a pas, je pense. On va prendre ça. Innovation médicale. Première mesure. Alors, il faut choisir... Parmi les trois, donc on va prendre le laboratoire d'expérimentation pharmaceutique. Et on va prendre le traitement expérimental parce que ça c'est simple à mettre en œuvre. On a déjà la loi, c'est juste que j'ai pris l'autre choix, je pense. Hein. Ah, mais il faudra peut-être rechercher quand même celui-là. Ouais. Alors, je vais quand même le prendre. Ok. Du coup, on a nos objectifs. On va directement choisir ceux pour les garde-foi. On peut organiser des baptêmes parce qu'on est content avec... Ils sont contents. Tiens, je vais le faire tout de suite. Non, je le ferai après si on peut encore le faire. Pour parler de paix, suite à l'agression non provoquée des évolutionnistes, les garde-foi sont peu enclins à parler de paix. Cependant, ils accepteraient de tenir un vote sur des accords de paix si vous fournissiez des garanties que leurs idées seraient plus représentées dans la ville. Respect de leur programme, blablabla. Abondance matérielle. Pourquoi pas, même si on a déjà fait pas mal de recherches dans ce niveau-là. Ici, c'est égalité sociale, syndicat obligatoire, recherche ou village ouvrier, pourquoi pas village ouvrier. Première nécessité gratuite, ça pourrait être pas mal. Moi, ça me paraît bien. Famille et tradition, mariage obligatoire, non merci, maternité consacrée. On va prendre égalité sociale, ça me plaît. Et pour la deuxième, on va prendre village... on va prendre village ouvrier. Pour la première, je dois choisir maintenant, en fait. Je pense. Première nécessité gratuite. Oui, on va faire ça. Ça augmentera la confiance. J'en aurais bien besoin. Et on va prendre village ouvrier. Voilà. On va pas prendre syndicat obligatoire. On pourrait, hein. Ça pourrait augmenter encore la confiance et me permettre de tenir le coup plus longtemps. Mais ça diminuera la prod de ressources. Un village ouvrier dans un district alimentaire, j'en ai des nouveaux, ça devrait pouvoir se faire. Ou alors je prends les syndicats. On produit légèrement moins de ressources, mais on est quand même beaucoup en surplus. Et ça augmente la confiance. Le village ouvrier a besoin de très peu de chaleur. Ah, je vais prendre ça.
Nous avons conclu des négociations avec les gardes-foi. Dès que nous tiendrons notre promesse, ils perdront la totalité de leur ferveur. Ce sera pareil pour eux. Absolument y arriver le plus vite possible. Je dirais qu'on va viser d'abord les évolutionnistes, comme en plus ils m'aiment pas, tandis qu'eux ils m'aiment bien, donc bon. Autant viser ceux-là d'abord, faire d'une pierre deux coups. On va quand même essayer ici de lancer le pouvoir spécial et organiser des baptêmes. Ça, je récupère de la confiance. Honnêtement, c'est pas inutile en ces périodes difficiles. Et avant toute chose, on va peut-être lancer la construction. Parce que j'ai que 10 patrouilles, j'ai pas trop. Alors, je suis pas trop autoritaire dans cette partie, j'essaie vraiment d'être au minimum. Mais je pense quand même que là, les cordons de sécurité, ça me paraît quand même pas du tout excessif, hein, en termes d'abus de pouvoir, vraiment loin de là. Je peux sécuriser les gens, donc je pense que j'ai pas assez. Faut 16 et j'ai 10, donc voilà. Faut qu'on fasse une tour. Tour de patrouille. Je pense que j'en ai zéro en fait dans ma vie, une tour de patrouille. Ça va diminuer la tension et la criminalité. Des blocs fouilles aléatoires qui diminuent la criminalité mais augmentent la tension. Alors, en ce moment, on veut pas augmenter la tension. Hein. Est-ce que je peux la faire? J'ai une seule place. On va la faire, on utilisera le cordon quand ce sera terminé. Mais on va pas traîner, avant d'enlever la pause, on va commencer à travailler sur les évolutionnistes. Rechercher, construire labo d'expérimentation, rechercher, promulguer, traitement expérimental. Alors le problème c'est que j'ai pas de thermotiquet, mais on va demander à nos amis, on va lever des fonds. Je vais également les soutenir, mais on va soutenir également ceux-là. Annoncer notre soutien à cette faction. Ils gagneront des membres, ok. Mais les relations seront améliorées, la ferveur sera un peu diminuée. Voilà. Maintenant, j'ai du pognon. On est parti pour rechercher dans société. Alors, on pourrait commencer par le plus simple, le petit traitement. Ou alors, je cherche directement le labo, vu qu'on a de l'argent. Labo d'expérimentation pharmaceutique. Tu veux bien me le montrer? Pas vraiment. Je crois que c'est 200. 500 en main d'œuvre, maladie significativement diminuée. C'est bien celui-là. Hein. Ouais. Besoin de chaleur, vitesse de recherche légèrement augmentée. Ok. On va commencer par rechercher ça. On enlève la pause. Alors du coup, les quartiers fonctionnent plus. Hein. On a 4 qui sont complètement fermés. Hein. C'est embêtant. Mais... Tension extrême. Gouverneur, les tensions ont atteint leur paroxysme. La ville est sur le point d'imploser. Des foules déchaînées envahissent les rues, provoquant des émeutes. Le peuple n'a plus confiance en vous. Il ne vous croit plus capable de résoudre toutes les crises qui nous accablent. C'est la descente aux enfers. Si nous ne rétablissons pas l'ordre et la paix rapidement, c'en est fini de nous. Vous devez ramener la tension au niveau grave avant la chute de la ville. La tension est catastrophique, je crois que c'est max. Hein. Augmentée à mort par les combats dans les districts, augmentée à mort par les ferveurs de factions, donc on va y travailler, hein, les deux en même temps. Considérablement augmentée par la maladie importante, mais on va y travailler parce que j'ai choisi exprès de travailler sur la maladie main dans la main avec les évolutionnistes. Et légèrement augmentée par je vois. Ça fait partie du scénario, j'imagine ça. Alors, ok. Alors on avance. Niveau conseil, j'ai une loi disponible. On pourrait promulguer première nécessité gratuite tout de suite, je pense, parce qu'on ne me demande pas de le rechercher, ça veut dire que je l'ai déjà. Donc faisons-le, perdons pas de temps. Ah oui, il y a également, attendez, traitement. Oui, mais non. Traitement, je dois faire la recherche. Hein. Survie, ville. Voilà. Elles sont payantes pour le moment, on va les rendre gratuites. Confiance augmentée, on va perdre un peu de thermotiquet, on va perdre un peu de ressources, mais ça fera plaisir à pas mal de gens aussi. Il y a 37 pour et contre 26 et 37 incertains. Donc on peut tenter le coup de ne pas influencer parce que honnêtement là, on a 11 votes d'avance. Ah oui, ce serait pas de chance. Ça va aller.
Nous, on le refera plus tard. Allez, 56 pour 61, c'est bon. Ok, premier objectif atteint, mais celui-là, il était très facile. On continue. On ira voir dans l'étendue glacée quand on aura terminé l'exploration en cours. Là, j'ai 19 équipes, c'est pas beaucoup. Je pourrais faire des petits trucs avec. Hein, mais... On va faire tout en même temps. Alors, heureusement, j'avais fait plein de ressources. Bah, il faut toujours dans ce jeu, hein, plein de ressources. Dès que c'est un peu calme, il faut bien se dire qu'après, ça va être compliqué de nouveau. Donc, il faut faire très attention. Voilà, je peux rien faire dans ces quartiers-là. Hein. Je suis coincé tant qu'on n'aura pas la tour terminée. Ensuite, je suppose que mes équipes vont être mobilisées, donc je pourrais pas faire les 4 en même temps. Hein. Très certainement. Ok, tour terminé. On va commencer par... Lequel je voudrais récupérer en premier ? Les ressources ? Pas vraiment. Enfin, pas les biens. C'est quoi ici ? Extraction de... De matériaux, ça peut attendre. Et là-bas, c'est la production de nourriture. Donc peut-être on devrait plutôt... Les stocks sont pas mauvais, hein, mais on va commencer par là quand même. Déployons des gardes pour protéger les citoyens et les bâtiments de ce district. 16 patrouilles, allez. Priorité de protection des districts. Gouverneur, les gardes attendent vos ordres sur la manière de stopper les affrontements dans ce district. Ils pourraient former un cordon autour des infrastructures vitales, les sauvant de la destruction. Ou il pourrait tenter de venir en aide aux civils et limiter le plus possible le nombre de victimes collatérales. Quels sont vos ordres? Oh, je peux pas sauver des vies. Faut 24 patrouilles. Bah tant pis, on va alors mettre un terme aux destructions. J'aurais préféré sauver des civils, mais bon. Ouais, donc c'est pas la panacée, hein. Ça va empêcher la destruction dans le quartier, dans un des quatre. C'est tout, quoi. Bon, on va pas faire d'autres tours. Alors, on est à 100% ici. J'attends que ce soit bien fini, voilà. On a 37 équipes. Alors là, il faut faire des choses. On a exploré plein de trucs. Les ruines de Tesla City, campement potentiel. Les sinistres vestiges d'une ville autrefois réputée pour ses prouesses technologiques. Cet endroit a joui d'une mauvaise réputation et a été vidé au fil des années. Nos éclaireurs ont toutefois découvert une salle intacte abritant un calculateur mécanique alimenté par un système de liquéfaction du charbon encore actif. Vous pouvez prendre le convertisseur et le répliquer à la Nouvelle-Londres, ce qui désactivera la machine, ou envoyer une équipe sur place pour utiliser la machine et accélérer nos recherches. Ah, on peut récupérer... Ah, c'est marrant, on pouvait récupérer le système plutôt que de le développer chez nous, du coup. Établir un avant-poste de recherche va augmenter la vitesse de recherche. Pourquoi pas? On va relier les sentiers. Bon, on va se connecter là. Hop. Ça devrait être bon. Voilà, j'ai encore 27 personnes. Alors, on pourrait évidemment utiliser tous ces explorateurs pour aller exploiter les ressources, puisqu'on en perd un peu maintenant, mais on a beaucoup de stock, donc je préférerais continuer à explorer, honnêtement. On va voir un peu ce qu'on a trouvé ici. La mine du capitaine. Le capitaine a ordonné en personne la construction de cette mine lorsque les réserves de charbon de Nouvelle-Londres ont commencé à s'épuiser. Mais le sentier menant, mal signalé, a vite été enfoui par les enfers blancs. On peut encore lire les messages d'adieu des mineurs dans le puits. Avant-poste de charbon potentiel. On verra plus tard. Tour mystérieuse. L'exploration des grandes tours au sommet de ces montagnes a été ralentie par les vents violents et les glaciers traîtres qui entourent le site. Nos éclaireurs ont remarqué que certains tunnels de Tesla City se dirigent vers elle. Nous pourrions lancer une expédition souterraine pour tenter de les atteindre. Ouais, c'est cool. Des tours mystérieuses. Ah, faut 30 équipes. On va attendre parce qu'on y est presque. Je vais revenir ici. On est presque à 100% pour un truc en cours. Qui est... Une expédition vers les montagnes, sans doute. Alors, on continue. J'essaie de pas jouer trop vite. Faut vraiment pas qu'on fasse de bêtises. Exploration crête de l'avalanche. C'est ça qui était en cours. Ok. Alors, c'est très bien, mais nous, on va faire ceci, donc. 30 éclaireurs. On va sonder les tunnels, allez. Un peu inquiétant, mais...
Donc ceci est actif. La vitesse de recherche est augmentée. Bah écoutez, pourquoi pas. On en a besoin de vitesse ici, donc il faut accélérer effectivement. On n'a rien ici. Hein. Non. On continue. Alors, j'ai récupéré des gens déjà. On a 20. Où est-ce qu'on va les mettre? On va continuer à regarder un petit peu ce qu'on a trouvé de nouveau. Troupeau familial. Ce même troupeau de rennes nous a fourni de la nourriture à plusieurs reprises au cours des dernières décennies. Il semble que le nombre de rennes est augmenté. Nous pouvons envoyer les chasseurs en toute sécurité. Très bien, c'est toujours une assurance vie. Hein. Crash de dirigeable. L'Empire d'Antan. Un vaisseau majestueux s'est écrasé sur la glace, recouvert de pluie par la neige. Les données du journal de bord indiquent qu'il a quitté Londres pour se rendre près des monts cendrés avant d'être abattu par la grande tempête. Il y a bien plus de corps que ce que préconise la capacité d'accueil du vaisseau. Si nous faisons abstraction des victimes, nous pouvons les déplacer pour atteindre les noyaux. Oui, bah les noyaux, ça peut toujours être utile, j'en ai 4, hein, mais on va le faire. Falaise sans nom, Hot Springs. Nos éclaireurs ont remarqué que plusieurs monticules au pied d'une falaise qui étaient en fait des squelettes de nouveau-nés. Les traces au sommet mènent vers Hot Springs. Ils n'ont probablement pas eu d'autre choix que de recourir à de telles atrocités. Nous pourrions peut-être leur proposer de recueillir à la Nouvelle-Londres les enfants dont ils n'arrivent pas à s'occuper. Franchement, de la croissance démographique, là, on en a eu plein. J'ai pas envie. On reviendra plus tard. Population du campement, environ 3500 personnes. Hot Springs. Ah, c'est Hot Springs même, ok. Ce groupe voue un véritable culte aux sources chaudes, car il les croit capables, d'où le nom Hot Springs, capables de soigner tous les maux. Leurs serres et leurs habitations souterraines rudimentaires commencent à manquer de place pour leur population. Ils ont donc instauré une culture du recyclage intensif et ne tolèrent aucune défaillance. Ils se méfient des étrangers, mais il serait judicieux de les convaincre de gré ou de force de nous offrir l'accès à leurs sources pour soigner nos citoyens. Ah oui, ce serait pas mal pour réduire la maladie. Un avant-poste qui réduit la maladie, oui, c'est pas mal. Oui, là, ça vaut le coup de faire des sentiers, du coup. Alors, j'ai 723 crédits, donc ça va. On va se relier bah, par là, j'imagine. Ouais. Un, deux, trois, ça coûte pas cher. Et c'est tout pour le moment. Ah, de bonnes explorations ici. On a trouvé des choses, je trouve, très intéressantes. On continue, on est à 45% de la recherche. On a combien de temps là pour l'attention? On a 67 semaines encore, donc faut quand même pas traîner, ça passe vite. La recherche est longue là, hein, c'est une plus longue. Peut-être on devrait déjà prévoir où va-t-on faire le laboratoire. Je crois que ça se fait dans les districts industriels. Et... j'ai pas de place. Je vais quand même vérifier du coup, mais je crois que j'ai pas de place. Aïe aïe aïe. Laboratoire construit dans le district industriel, effectivement. Donc là on a les deux bâtiments. Là on a les deux. Alors je peux toujours détruire un des deux bâtiments, mais je n'ai pas envie évidemment. Donc on va avoir besoin d'un nouveau district industriel de toute manière. Bon, on va en faire un déjà maintenant. En plus, il y en a plein qui sont à l'arrêt, donc peut-être en faire des nouveaux, c'est peut-être pas plus mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saura le faire grandir vers le milieu, il n'y a pas de problème. Notez qu'on gagne encore du pétrole, hein, mais les stocks sont pas encore tout à fait pleins. Et vraiment, je veux garder mes tickets pour les différentes actions qu'on va pouvoir mener. Pour réduire la tension et arriver à la paix. Hein. Voilà. Anyone in the streets after 10 p.m. will be considered a looter and dealt with appropriately. Ok, il faut que je retourne dehors, on a terminé beaucoup de choses, attendez. Les évolutionnistes ont pris des otages. Propagation des combats. Gouverneur, les évolutionnistes ont déferlé sur les quartiers des gardes-foies. Ils ont incendié des bâtiments pour les forcer à en sortir avant de les rouer de coups. Les gardes-foies n'ont pas eu d'autre choix que de battre en retraite, abandonnant beaucoup des leurs.
Maintenant, les gardes au foie vous implorent de les laisser, de les aider à libérer les captifs. Ce ne sont pas des guerriers. Parmi eux, il y a des enfants, des personnes âgées. A supplié un homme dont la famille était prise en otage. La guerre se propage dans notre district. Bon ben voilà, 300 thermotiqués. Nous devons assurer leur libération, même si ça financera certainement les efforts de guerre des évolutionnistes. Ferveur des évolutionnistes augmentée. Ah zut. Oui, on va payer. Hein. Tant pis. De toute façon, allez, Max. Leur ferveur. Donc bon. J'ai l'impression en tout cas que ça changera pas grand chose. Alors, on va pouvoir passer la loi. Attendez. On a déjà fait première nécessité. Et on ne demande rien d'autre. Je dois promulguer traitement expérimental, mais on n'a pas fait la recherche encore. Donc je crois que... Maintenant, il y a un truc ici. En vigueur, traitement conservateur. Je peux rien proposer d'autre, donc... Où est-ce qu'il me met ça ? Je ne sais pas. Ville. Développement urbain. On a sûrement des nouveautés depuis la dernière fois. Pas de service communautaire. Personne ne sera obligé d'effectuer de service communautaire. Ce qui laissera plus de temps au repos, au loisir. Et là, on a la confiance qui est augmentée. Ouais, évidemment, c'est pas mal. Je pourrais peut-être le faire pour augmenter la confiance. Mais on a encore de l'avance, donc je veux pas le faire pour le moment. On va attendre. Je pourrais faire une promesse, choisir une loi, et ça augmenterait un petit peu les relations avec... Alors ça veut dire perdre du temps après pour passer une autre loi, mais on a encore le temps. Hein. Je veux juste passer celle-là encore, traitement expérimental, donc ça va. Je pourrais même leur confier le programme. On va le faire, on va confier le programme et voir un peu comment ça va se passer. Ils définissent l'ordre du jour. Qu'est-ce qu'ils ont choisi ? Surplus de chaleur, recyclage de chaleur. Nous redirigeons la chaleur excédentaire des machines industrielles vers les districts environnants, augmentant ainsi la chaleur disponible pour nos infrastructures. Le besoin de chaleur dans les districts résidentiels diminue. C'est bien. De toute façon, on n'est pas obligé de le faire passer, là. Je veux dire, on peut même voter tout de suite, hein. Moi je m'en fiche, c'est bien, si ça passe, ça passe pas, c'est pas si grave. Au moins on leur a confié le programme, ils sont contents je pense. Bon, c'est passé. Ça me dérange absolument pas. Hein. Relations sceptiques. Bon, ça c'est les étendiens, pardon. Relations hostiles, bon. On va voir. Attention. Alors, on continue. Donc, Hot Springs, on a des gens là. Fonder un avant-poste ici réduira le taux de maladie dans les villes et ses colonies. Maladie diminuée, je pense que c'est bon. Ça tourne, hein, donc normalement c'est bon. Point de rupture. En juger par la taille de l'atelier, de l'échafaudage et des structures de soutien, nos éclaireurs pensent qu'un dreadnought a séjourné ici durant plusieurs mois. Ils y ont trouvé de l'équipement d'entraînement extrêmement usé, cible, arc, flèche, boussole. Un petit cimetière borde l'installation près de la statue d'un homme recouvert d'anguilles. On peut lire sur son socle d'anguilles, vraiment. Ceux qui restent sont condamnés, ceux qui partent seront retrouvés. Récupérer les matériaux. Faut pas faire de mal. Camp d'esclavagistes. Nous avons recensé plusieurs disparitions d'éclaireurs dans cette zone ces dernières années. Mais nous les avons enfin localisés dans un site retranché agrémenté de cages. Il doit s'agir d'un camp d'esclaves. Nous pourrions envoyer nos gardes pour neutraliser les esclavagistes et sauver les captifs. Nos éclaireurs pourraient alors traverser la région en toute sécurité. Ça coûte 20 patrouilles, je les ai pas. Village enseveli. Sous la neige se trouve un campement d'une autre époque dont les habitants ont disparu depuis longtemps.
et dont les structures ont été endommagées et délabrées par le froid. Les matériaux, je n'ai pas besoin pour le moment, et peut-être à terme, je n'aurai même jamais besoin, donc on va pas relier pour le moment. Faisons un petit tour pour voir si on a des choses encore à analyser. Non. Alors, il y avait ici le truc Tesla. Nos éclaireurs ont atteint le bout du tunnel qui débouche sur un... Pour le même prix, je l'oubliais ici, hein, il n'y a pas d'alerte, enfin bref. Qui débouche sur un critère isolé, les fameuses tours électriques du sommet. Au fond du cratère se trouve un lac gelé, immergeant les structures. D'après nos géologues, il s'agirait d'un lac artificiel créé par le dégel soudain des pics environnants. On ignore d'où aurait pu venir la chaleur immense nécessaire à un tel phénomène, mais de toute évidence, ce bon vieux Tesla travaillait sur un projet particulier. Nous pourrions établir un avant-poste ici pour examiner la glace et récupérer quelques matériaux. Qu'est-ce que ça va nous donner? Un avant-poste qui pourrait fournir des préfabriqués. Pour l'instant, j'ai pas besoin, donc on va pas le faire. Enfin... Un par semaine. Jusqu'à ce que les 400 soient épuisés. Honnêtement, c'est pas très... C'est pas génial, je trouve. Vraiment pas. Là, on l'utilise. Là, c'est une cache, je sais plus ce qu'il y a dedans. Du charbon, des matériaux. De la bouffe. Ok, bah, j'ai plus ou moins tout regardé, je pense, là. On va continuer à chercher des endroits. Là, il y a une vallée. Sûr. Il y aura des gens. Bon, il y aura peut-être également d'autres choses. Hein. De toute façon, on va tout fouiller. Et là, 23, on peut avoir des ressources. Voilà, c'est bon. Optimisé. Bâtiment détruit dans les affrontements. L'usine mécanique. Attention. Attention, c'est où ça? Démolition dans 12 jours et 20 heures, c'est ça? Usine mécanique. Produit des préfabs, des marchandises. Ok. Il faudra la refaire hein, dès qu'elle sera terminée. Imagine. Centre de réutilisation des déchets détruits également. Ok. C'est là. Alors, laboratoire d'expérimentation pharmaceutique terminé. La recherche. Et eux, ils voulaient que je le construise. Laboratoire d'expérimentation pharmaceutique, c'est ça. Donc, on va faire dans le nouveau quartier. Hop. Promouvoir raison augmente les évolutionnistes de 10. Bon. Ok, donc là c'est l'usine mécanique. Alors on va lancer une nouvelle recherche. Hein. Rechercher. Et promulguer traitement expérimental. Ça devrait être plus simple parce que c'est ici. Ça coûte moins cher et ça va également aller plus vite. Voilà, donc là j'ai perdu le bâtiment et voilà, le truc est vide et en fait on sait même plus ce que c'était quoi. C'est un peu... J'aurais bien voulu qu'il me propose de réparer directement. C'est une usine mécanique, on va refaire l'équivalent. Donc c'était une production de préfabriqués et ou de marchandises. Maintenant il y a l'usine de récupération qui est plus ou moins similaire mais qui coûte moins de chaleur. Et qui fera plaisir plus... En fait, on produit la même chose, hein. Faire celle-là, je pense. Est-ce que j'ai d'autres usines? Usine de remise à neuf. Celle-là produit plus, en fait, hein. C'est l'occasion de mettre un peu à neuf mon matériel, tiens. Quitte à faire des marchandises, de toute façon, autant mettre celle-là, hein. Elle demande peu de chaleur. Usine économe. C'est bien ça. Ben, faisons celle-là. Et là, on va perdre le centre de réutilisation des déchets. Ok.
On va le mettre dans le nouveau bâtiment, dans le nouveau truc du coup. Alors ça fait quoi ça? Ça produit des matériaux. En utilisant de la main d'œuvre. C'est pas mal. Je peux pas le faire pour le moment, il me faut plus de tickets, mais on les aura. Centre de réutilisation des déchets. Ok. On avance. On va le refaire au même endroit, on a la place maintenant. Le labo est en construction. L'usine, la nouvelle, terminée. On va mettre sur production de biens, marchandises. Alors, il fallait combien? On est à 119. J'ai assez ou pas? Non, il faut 200. Combattants tués, 94, 59 blessés. Alors j'ai assez pour refaire le bâtiment. Je vais le faire avant d'oublier. Donc centre de réutilisation des déchets. Bon ça, je pense pas que 40 matériaux et ne coûte de ce que je vois aucune ressource à part de la chaleur. Donc c'est quand même pas mal. Sûrement je l'avais fait parce que j'avais promis. Ah il y a besoin de 23 en plus. Ok on fera après. Donc là on a rechercher traitement expérimental, on va le promulguer. Donc j'attends 2 semaines. Rechercher et construire village ouvrier, allez c'est parti. Village ouvrier, ça va être dans ville. Logement pour ouvriers. Village ouvrier. Pour les garde-foi. Hein. J'en ferai juste un, ça se fait dans les districts alimentaires, extraction ou industriel. Oui, c'est ouvrier, ok d'accord, je comprends. On trouvera bien une place quelque part. Hein. C'est parti. Franchement, ça se passe pas trop mal. Bon, évidemment, la tension est catastrophique, mais ça, j'y peux rien. Mais tant qu'on a une réserve de confiance et qu'on n'est pas près du temps, là, limite, on est bon. Et il reste 54 semaines, donc c'est pas mal. Je pense. Les garde-foi recrutent des enfants soldats. Gouverneur, la guerre civile fait rage dans un nouveau district. Nos gardes ont arrêté une bande d'enfants se battant aux côtés de garde-foi radicaux. La plupart ont refusé de parler, mais un jeune de 11 ans a cédé et a avoué avoir été recruté par les chefs des garde-foi. Certains semblent culpabilisés, oh là là, c'est grave, mais d'autres ont hâte de se battre contre les évolutionnistes. On va réprimander les garde-foi, je suis obligé. Représentation au conseil, extrêmement diminuée par garde-foi. Il faut imposer des sanctions, là, ils ont exagéré. Relation dégradée. Les enfants dans les mines, c'est une chose, mais avec des fusils d'assaut, non. Non. Donc, Ah, et même plus non plus, du coup, maintenant. Ok. Enfin, un sceptique. Ok, est-ce que je peux relancer un soutien ou pas? Non, c'est trop tôt. Ok, on continue. 277 combattants tués. Purée, ils sont en train de s'étriper complètement. Hein. Heureusement, on a de la population. On a du stock. Scierie de bois non traité avancée détruite. On va refaire tout ça, hein. Mais bon, faut avoir en fonction des besoins. Je suis pas obligé de refaire les mêmes non plus, hein, bien sûr. Mais enfin, ça devient catastrophique, là. Il y a tout qui se ferme. C'est quand même embêtant, quoi. On va avoir besoin d'encore 66 thermotiquets. Ah là là. Bon, j'ai du stock, hein, voilà. Allez, reste plus qu'un jour, on peut adopter cette loi. Village ouvrier. Traitement expérimental, pardon. Alors, ils l'ont choisi directement pour 28 contre 24. Donc là, il faut absolument négocier.
Les Étendiens sont ouverts aux négociations et sont les plus nombreux à être dans l'incertitude. Alors, on peut promettre de rechercher et organiser les rythmes adaptés à la météo. Bon, pourquoi pas, j'aime pas trop parce que la production va diminuer. Construire une usine de récupération. Est-ce que c'est pas ça que je voulais refaire de toute façon? Mais oui. Ah non, ça demande des matériaux. Ouais, ça c'est la version qui produit moins. J'en avais une avant, elle était détruite. Je l'ai remplacée par autre chose. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça me paraît quand même pas génial. Socle de reconquête. Promulguer une loi. Entretien des avant-postes diminué. Ça pourrait être pas mal. Fer de lance dans notre extension. Dans l'étendue, nos avant-postes seront réservés à des colons aguerris capables de survivre par leurs propres moyens. On va promettre ça, je pense. Enfin, pas obligé de tenir les promesses non plus. Hein. Parce que là, je pense que j'ai déjà autre chose à la place. Et ça, je crois aussi. Hein. Mais... Le besoin de chaleur dans les districts autres que résidentiels diminue, c'est quand même pas mal aussi, ça. Alors, on va mettre rite adapté à la météo. Ça me paraît quand même assez logique, quoi. Je suis plus que toléré maintenant, hein. Oh là là. Il est vraiment temps d'apaiser ces tensions, il faut le faire. The proposed law has been approved. Il faut y arriver. Innovation médicale adoptée. Les évolutionnistes ont relâché leur activisme depuis que leurs revendications ont été satisfaites. Les relations avec les évolutionnistes s'améliorent, la ferveur des évolutionnistes diminue. Alors, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. On y est arrivé pour les premiers, maintenant il reste plus que construire un village ouvrier, la recherche est en cours. Bon, ils sont pas contents pour autant, hein, mais au moins, ils vont moins participer à la tension. Est-ce qu'on peut leur faire un petit plaisir en plus? Non, pas pour le moment. Qu'est-ce qui se passe encore? Georgette Richemont, 26 ans, membre des évolutionnistes. La ville est loin de ressembler à ce qu'on voudrait, dit-elle en regardant par la fenêtre. Enfin, c'est toujours un très grand pas dans la bonne direction. Nous pouvons créer une société florissante par la logique et la raison. Si le gouverneur tient le cap, on arrivera peut-être à signer la paix que tout le monde veut. Vous avez conclu un accord de paix avec les évolutionnistes. Excellent. Excellent. On n'a pas les recherches sur rythme adapté à la météo, faudra le faire. Bon, mais tant que les évolutionnistes sont prêts à lâcher le morceau, mais les garde-fous non, donc faut absolument terminer ceci. Et il faudra faire deux villages ouvriers en plus. Ça m'arrange vraiment pas, on pourra toujours les détruire plus tard, hein, mais... Déjà, est-ce que j'ai de la place? C'est pas sûr qu'on ait masse de place, hein. Qu'on puisse s'étendre à gauche, à droite, parce que sinon on n'aura pas la place. Je vais étendre ici. Déjà. 658 néo-londoniens rejoignent les gardes-fois. Oh là là. Bon. 100% pour l'exploration en cours. On a 17. Okay. On va attendre de récupérer encore un peu plus avant de retourner voir l'exploration. Appliquer l'accord avec les garde-fois, égalité sociale. Oui, c'est ça. Cordon de sécurité, bon, bah là, de toute façon, maintenant, voilà, on n'arrivera pas, il faudrait vraiment trop de gardes, j'en ai pas. C'est pas tellement grave. Proposer des mesures de paix au conseil, on va y arriver après. Cool, et bah ce sera pour le prochain épisode. Est-ce qu'on va y arriver? Je crois qu'on est bien parti quand même. Hein. Encore 49 semaines, plus qu'une demande à régler, et après la suite, pour voir encore ce qu'il faudra faire, bien sûr. Voilà, on se retrouve très vite pour la suite. Salut tout le monde !